Salut à toutes et à tous, Badr Belaja pour la promotion de la boxe, les sports de combat et les arts martiaux. Et pour la première fois, notre équipe est invitée pour un événement boxe française, la Savate. Et c'est grâce à notre partenaire Thierry Bouquel de la NBF qui nous a invités afin de suivre le parcours de ses compétiteurs ici à Alon. Nous sommes donc à Alon, dans le club de la boxe française alonnaise, un club de 150 adhérents à peu près dans la Sarthe, et on vient régulièrement. C'est un bon club ami qu'on se connaît depuis 30 ans, puisque en l'occurrence ils fêtent leurs 30 ans ce soir. Donc dans la continuité de ce qu'on a vu sur les dernières émissions, donc nous là on va suivre aujourd'hui Romain et François. Romain qui fait donc son premier combat de savate de la saison pour préparer les Elite A au mois de janvier, et François pour les Elite B qui seront eux au mois de mars. Allez Romain, prêt pour la compétition? Je suis prêt, ouais, je m'entraîne tous les jours, y'a pas de secret, le travail paye normalement. Faire le premier combat comme ça directement, ça te fait rien, c'est normal, ça te stresse pas? Faut bien qu'il y en ait un qui commence, voilà, c'est moi, ça a commencé fort quoi. Voilà. Un mot avant la compétition. Tu connais l'adversaire, tu le connais très bien? Il vient d'être champion de France Elite B. D'accord, champion de France. Moi j'avais fait vice-champion de France. Donc là il va rentrer dans ma catégorie en Elite A, donc le meilleur niveau en savate. Donc maintenant de toute façon il n'y a pas. Si on est rendu à ce niveau, c'est qu'on est tous boxés, maintenant c'est que le meilleur gagne quoi. La NBF demande